Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon les gars, apparemment donc du coup je tombe sur cette petite vidéo où la meuf en fait elle pensait divorcer et elle pensait que ça allait être la fête. Wouhou! Ça y est, je suis divorcée les filles! Ouais, allez, on sort! Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Je te laisse regarder la vidéo et on en rediscute. I'm divorced. I thought I'd be happier. Except the judge set the child support amount at $326 a month. $326 a month for two kids for child support is what he has to pay me. $326 a month because he's not working, because he chooses not to. I was able to cross-examine him, which was fun. And I asked him how many hours a week he spends working or trying to sell houses, because technically he still has a real estate license, so technically he's still a realtor. He said 15 hours a week approximately is how many hours he works per week. Grown man, grown able-bodied man with transportation and no childcare to worry about, says he works 15 hours a week, which I think is kind of a high estimate. I'd put it more at like 0 hours per week. So $326 a month for two kids. Fun, right? And this is after I was super gracious and let him keep his parenting time. The guardian ad litem recommended zero parenting time for dad. Alors déjà, elle commence, ouais, je pensais que j'allais être heureuse, j'ai divorcé, je pensais que j'allais être heureuse. Alors déjà, je pense que t'es pas au courant, mais c'est que le début. Alors effectivement, 326 dollars pour suralimentaire, c'est vrai que ça ne fait pas grand-chose. On va pas se mentir. Hein. Maintenant, ça ne veut pas dire que je cautionne. Le gars, c'est un gars, il est fainéant, il fait rien, il n'a pas de taf. Non, il faut qu'il trouve un job. Je suis d'accord avec ça. Je ne suis pas en train de dire, ouais, les gars, faites rien, vous n'avez aucune responsabilité. Non, ce n'est pas du tout le genre de la maison. Chacun a ses responsabilités. C'est vrai que sur ma chaîne, je défends plus les hommes parce que personne ne les défend. Hein, et nous, tout le monde s'en bat les reins. Il y a déjà assez de personnes qui défendent les femmes, qui les aident à défoncer plus d'hommes, voilà, d'avoir. Ah, voilà, il y a déjà assez. Hein. Donc, du coup, et comme je n'aime pas la justice et que j'ai vu qu'il y avait deux poids, deux mesures, je préfère parler aux hommes. Mais au-delà du fait, ok, c'est 326 dollars, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais c'est sur le principe. Tu te réclames indépendante, strong et indépendante, hein, c'est ce qu'elles aiment utiliser aux États-Unis. Strong et indépendante, ok? T'as pas besoin des hommes. Les hommes ceci, les hommes cela. T'étais contente parce que tu te dis, ça y est, je me suis enfin débarrassé de. Ah! Je me suis enfin débarrassé de ce boulet-là. Je vais pouvoir enfin vivre ma best life. Hein? Et dans ton plan, en fait, pour pouvoir être heureuse, tu t'es dit, le gars dont je veux me débarrasser, dont je ne veux plus rien avoir à faire, tu voulais en fait qu'il entretienne ton lifestyle après que tu ne sois plus avec lui. C'est ça qu'en fait j'ai beaucoup de mal en fait avec ça. Tu veux divorcer, ok, c'est ton choix, mais tu veux que les conséquences soient assumées par ton ex-mari. C'est juste incroyable. Franchement, c'est vraiment dans un monde, je me dis vraiment, c'est vraiment incroyable. Donc en fait, la fête, elle n'a pas réfléchi, je ne sais pas ce qu'elle s'est dit dans sa tête, elle s'est dit, ah, oh, je suis pas bien avec lui, oh là là, je me sens pas bien, etc. Quel boulet lui là, vas-y, ah, Géraldine, ah, non j'en peux plus. Ok, il n'a pas de travail, je comprends, ok, etc. Pas de problème. Après, tu veux le divorcer, tu divorces, et un plan. Je veux dire, pourquoi tu comptes encore sur ton ex-mari pour pouvoir t'aider financièrement? T'es forte indépendante, t'as pris tes propres choix. Et c'est ça que je reproche beaucoup, que ce soit déjà d'une manière générale, c'est sûr, mais aux femmes modernes, c'est qu'en fait, il n'y a pas de responsabilité, c'est pas aligné avec ce qu'elles disent. Tu dis que tu es forte et indépendante, mais à tout moment, tu as besoin d'un homme, à tout moment, tu essaies de prendre child support, donc pension alimentaire, quand tu divorces. Donc, tu as besoin des hommes ou tu n'as pas besoin des hommes? On a une magnifique mise en scène avec Amber Heard, hein, qui pleurait, alors que la meuf, c'est... Tu sais, elle était en train de mentir normal. Tu es féministe, tout ça. Nanana. Oui, les femmes, c'est pour la cause des femmes. Nanana, mais tu veux prendre l'argent de... Pourquoi? Fais ton argent. Pourquoi tu veux prendre l'argent de Johnny?
C'est ça que je comprends pas en fait. C'est où vous êtes strong et indépendante, ok, pas de problème, mais laisse ton ex-mari tranquille en fait. Et en plus, elle ne sait pas. Mais là, elle a deux enfants. Elle a quel âge? Elle a 35, 34, 35, 36, un truc comme ça. Mais t'es pas au bout de tes soucis, ma vieille. Mais tu sais même pas. Là, tu dis, alors financièrement, t'avais pas prévu. Mince, on fait comment, mince? Alors, je pensais que j'allais vivre ma best life. Voilà, t'avais pas prévu. Je sais pas comment t'as fait tes calculs. Est-ce que même t'avais pensé à faire tes calculs? Voilà, tu t'es dit, je divorce, j'en ai marre, etc. Ce qui peut s'entendre, pas de problème. Mais t'es pas prête, chérie. Le marché du dating, à ton âge, avec deux enfants, ah, ça va être dur, hein. Alors, tu me diras, ce sera pas difficile de trouver un gars au moins qui a un travail. Mais ça va être dur. Mais tu sais même pas. 36, 37. Tu vas être en concurrence avec des meufs de la vingtaine et qui sont sans enfants. Et en plus, j'imagine qu'elle sera exigeante. Et bien, évidemment. Attends, Gérard. Évidemment qu'elle sera exigeante. Elle a deux enfants et elle a raison en plus. Mais le problème, c'est que... Ouais, ok, tu seras exigeante. Tu voudras un gars qui gagne beaucoup d'argent puisque du coup, ton ex-mari dont tu espérais qu'il ait un poste alimentaire plus élevé pour pouvoir un meilleur lifestyle, il peut pas. Donc, il va falloir que tu trouves un autre gars qui va pouvoir t'aider ou compléter ton salaire pour pouvoir avoir un bon lifestyle. Bah ouais, voilà, mais ce gars-là, il sera demandé. Après, tu dis, ouais, mais c'est pas bien, si jamais elle n'est pas bien avec son gars, etc., c'est normal qu'elle veut partir, etc. Pas de problème. En fait, je ne suis pas en train de dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. C'est juste que dans la vie, quand tu fais des choix, il y a des conséquences. Et les conséquences, elles n'en ont rien à faire si jamais tu t'es trompé, si jamais tu... En fait, c'est pas bien, le bien, le mal, le truc, j'aurais dû... Les conséquences, tu as fait des choix, tu as des conséquences. Ok, parce que le loser que t'as marié, t'étais au courant qu'il n'avait pas de taf. Dans ta vingtaine, qu'est-ce que tu faisais dans ta vingtaine? Quand t'étais à ton pic, quand tu pouvais avoir les hommes que tu voulais avoir. Je suis pas en train de reprocher, c'est juste une réalité, tu vois. C'est à ce moment-là qu'il faut faire les bons choix. Au lieu de choisir un gars, peut-être il était beau, c'était le plus beau du lycée, j'en sais rien. Et puis tu t'es marié avec lui, c'était le bad boy. Et puis finalement, tu vois que c'est un gars qui a pas d'objectif, qui taffe pas et qui fait néant. Là, tu te retrouves là, tu as fait un mauvais choix. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est les conséquences. Tu fais des choix, tu as des conséquences. Il n'y a pas d'histoire de bien, pas bien, hein, tu vois. Je ne suis pas en train de l'accabler, mais c'est juste une réalité. Donc moi, je suis toujours surpris que les femmes, surtout toutes les femmes qu'on voit, les divorces, etc., elles se prétendent femmes indépendantes, etc., strong, machin, je paye mes propres bills, hein, mes propres factures, tout ça. Et quand tu divorces, tu veux que ton ex-mari, il entretienne ton lifestyle. J'avais fait une vidéo il y a longtemps où une meuf, elle disait ça. Ils n'étaient même pas mariés, ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble et tout. Et en fait, quand ils se sont séparés, elle a continué à garder la voiture et a continué à vivre dans l'appartement qui payait le gars. Bon, le gars, c'est un simple, ça c'est sûr et certain. Mais en gros, elle continue à avoir les mêmes avantages qu'elle avait quand elle était avec le gars que quand elle n'était plus avec lui. Et elle avait même un autre gars qui vivait avec elle dans l'appartement, son nouveau gars. Et l'autre, il continuait à entretenir son lifestyle. Après, ils disaient, ouais, non, mais c'est parce qu'il veut bien, etc. Évidemment, ils n'ont pas de sexe ensemble, etc. Ils n'ont rien. Donc, en fait, elle veut continuer à enjoy tous les avantages d'être avec son ex sans être avec lui. Voilà où on en est aujourd'hui. Bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas. Et après, si tu veux savoir mon avis par rapport à dire, ouais, mais qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Bah, déjà, elle aurait dû bien choisir. Voilà, il aurait dû bien choisir au début. Et puis après, moi, je suis pour, avant de divorcer parce qu'il n'y a pas de chocolat dans le frigidaire, travailler sous votre coupe. Voilà ce que je pense. Bref, pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec moi, sache que cette chaîne-là, à la base, c'est pour les personnes qui sont déterres, qui veulent créer leur vie sur mesure. Pour ça, il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas, je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de créer l'arnaque, regarde. Et Zion, pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin avec moi, c'est le groupe privé avec accès avec pas mal de mes formations, pratiquement toutes mes formations, où je te montre toutes les stratégies pour atteindre les 5 000 euros par mois. Ok. Donc voilà, check. De toute façon, il y a plein de choses. Il y a un groupe privé, contenu exclusif. Plus pour le prix, franchement, tu vas pouvoir te faire plaisir et passer à l'action pour pas être comme l'ex-mari de la meuf. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Je vais être au camp.